Nous sommes heureux de nous retrouver cette matinée de sabbat ensoleillée. Si nous sommes ce matin ici, c'est que le Seigneur nous a fait grâce pendant la semaine. Il nous a démontré combien il nous aime, pas vrai? Alors nous allons le louer. Nous allons lui dire combien il est bon de lui appartenir, combien il est bon de pouvoir se reposer sur lui à tout instant. Sur toi, je me repose. Bonjour. Nous allons commencer notre quart d'heure de chant. Donc il n'y a pas encore l'informatique. Je vous invite à offrir aux hymnes et louanges au numéro 324. Sur toi, je me repose. Poursuivons avec le numéro 215. Entends-tu le chant joyeux? L'avez-vous entendu ce matin? Amen. Alors, chante-le ensemble. Entends-tu le chant joyeux?
Jésus sauve aujourd'hui.
Bonjour les amis, bonjour les enfants, bonjour frères et sœurs, et les musiciens que je salue aussi en passant. Merci. Comme tu es bon, regardez le beau temps qu'il nous a donné, la petite prière. Nous avons répondu à son appel, nous sommes dans sa maison, dans son sanctuaire, pour le louer et le bénir. Quand j'étais enfant, moi, j'aimais beaucoup rêver, mais je ne faisais pas n'importe quel rêve. Je rêvais du retour en gloire de Jésus, souvent. Et je m'imaginais Jésus sur son trône qui descendait, des myriades d'anges, et je fermais les yeux pour bien voir. Et dans mon imagination, j'avais toujours l'impression de voir réellement le retour du Christ. Et j'étais contente. Mais alors, quand je revenais à la réalité, je me disais, ah mais non, c'est pas encore le moment. Et puis, mais en tout cas, c'était beau dans mon rêve. C'était beau. Alors je me suis dit, comme ce sera beau, puisque n'oublions pas que Dieu a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc c'est pour nous qu'il a préparé tout ça. Donc soyons contents. En attendant ce retour, oh quel beau jour! Très bien, merci. Chantons-le. 504 de notre hymne Louange, le premier couplet. Devant ta face, tout est racheté à bas et trop. En célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. En plus, dans mon rêve, je voyais la foule. Quand je me retournais, une foule de personnes, je me disais, ah bon, je ne suis pas seule. Vous savez, les rêves d'enfants sont beaux. Heureusement, c'est pour ça que Jésus a dit, devenez comme un petit enfant pour hériter le royaume des cieux. Parce que l'âme de l'enfant est innocente. À ce moment-là, dans mon âme d'enfant, je me disais, voilà comment ce sera le retour du Christ. La foule qu'on ne pouvait compter, chantons-le. Deuxième soif. Je la vois, cette armée innombrable, ses rangs reflétant l'éclat des cieux. J'avais l'impression d'entendre Dieu dire, venez, 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 vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et en plus, toujours dans mes rêves, je voyais Dieu poser la couronne sur la tête de chacun. Ah, ça sera merveilleux ce jour-là. Et puis, chacun portait sa couronne. Et chaque couronne avait des médailles. Ça, ce sera trop beau. Et puis, plus intéressant, je me remémorais tout ce que Dieu a dit. Plus de pleurs, plus de sanglots, plus de guerre, plus de combats, plus de tourments. Eh bien, nous allons le chanter.
troisième soif. Que son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous bien aimés de mon Père, la couronne est à chaque esprit, ayons cette vision de l'éternité et nous entendrons réellement la voix de Dieu. Mais en attendant, c'est nous qui allons lui adresser la parole. Ce sera fait dans une prière avec Jemina. D'amour, de grâce et de bonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la vie, pour la santé que tu nous accordes. Merci énormément pour ce sabbat que tu nous donnes, ce jour de repos où on peut vraiment se concentrer uniquement sur toi, où on regarde encore plus à toi. Alors que nous sommes prosternés à tes pieds, nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses diriger cette école du sabbat, ici à Horeb, en Martinique et partout dans le monde. Sois avec nous, que ton Saint-Esprit puisse nous diriger et vraiment garde-nous. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu venir, fortifie-les, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande chose est la charité. 1 Corinthiens 13, verset 13. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous précise la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 1. Une noisette de foi est donc la cause de cette toute nouvelle sensation surprenante que provoque la première mise en bouche, le premier ingrédient, la foi. Le deuxième ingrédient est un sentiment qui amène à considérer la réalisation de ce que l'on désire comme probable et qui se nomme l'espérance. Lorsque l'on dresse l'assiette, la place de l'espérance, l'espérance est capitale pour un goût qui est à la fois ferme et qui réveille les papilles. Car l'espérance, car tu es mon espérance, Seigneur l'Éternel, en toi je me confie d'imaginer. Psaume 61, verset 5. Amen. Car l'arôme qui donne du caractère à ce menu spirituel, c'est l'amour, ingrédient indispensable qui vient s'associer aux deux autres. Et le chef a un stock illimité du meilleur amour. Vous n'en trouverez pas comme celui-là. Cependant, si vous le cherchez vous-même, je ne vous conseille qu'un seul endroit, la croix. Car c'est là que Jésus a donné sa vie pour nous. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous et en ce que Dieu a donné son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, verset 9. La meilleure façon de profiter de bon repas est de le partager. Aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour ce repas spirituel qu'il met à notre disposition, pour ce partage qu'il nous permet d'avoir, et à notre tour, proposons-le autour de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous en ce saint jour. En ce sabbat matin, savourez, dégustez, de l'entrée jusqu'au dessert, ce buffet délicieux que les explorateurs et les compagnons vous ont préparé. Maintenant, ils vont vous donner un avant-goût de ce menu du jour. Je chante, je chante.
Ce trimestre, avec la section berceau et jardin, nous avons vu trois notions, le service, la grâce et l'adoration. Le service, servir, c'est montrer aux autres que Jésus les aime. Donc Jésus est venu sur terre comme un petit enfant, comme vous, et il a servi. Là, on a vu comment il a grandi en sagesse, en stature et en grâce. D'accord? Et ensuite, la grâce. Dieu fait de nous des membres de sa famille. Donc Dieu aimait les enfants, d'accord? Comme il aimait les grands, il aimait les enfants, et il disait, laissez les petits, laissez les enfants venir à moi. Nous avons vu aussi qui est notre prochain. Nous avons vu l'histoire de Lazare et aussi de Zachée. La notion d'adoration, nous louons Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, les enfants? Les enfants, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Bien, il est mort sur la croix, pourquoi? Pour nous sauver de nos péchés, d'accord? Et il nous a laissé une très bonne nouvelle. Il reviendra nous chercher, on le verra sur les nuées, revenir nous chercher, nous prendre avec lui pour aller où? Au ciel, très bien. Donc je vais demander à Théo de venir nous chanter l'histoire de Zachée. Zachée était un tout petit homme, un tout petit petit homme. Il monta sous un grand sycomore pour voir le Seigneur Jésus. Lorsque Jésus arriva dans la ville, Zachée descend, parce que c'est aujourd'hui que je vais manger dans ta maison. Amen. Amen. Se trouver en face du public, eh bien, il n'y aura pas de problème. Donc, continuons à éduquer nos enfants depuis le berceau et vous allez voir, ils seront bénis et nous serons bénis. L'Église de Dieu connaîtra le bonheur parfait lorsque le Christ reviendra. Aujourd'hui, c'est le 13e sabbat. Nous sommes tous ensemble, petits, moyens, grands, grand-mère, grand-père, nous sommes tous là. Donc, les leçons, tant chez les adultes que chez les enfants, vont se dérouler en même temps. Alors, soyez attentifs à tout ce qui va se dérouler, surtout retenez, prêtez attention. Marie, tu as écouté les nouvelles ce matin? Ou alors, est-ce que tu as lu le journal d'hier? Oui, oui, pourquoi? Eh bien, tu sais, Jean, il a été mis en exil à l'île de, sur l'île de Patmos. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait. Jean? Oui, Jean, celui à qui on a coupé la tête. Ah non, 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 tu te trompes. C'est pas le même Jean. Ah bon? Jean à qui on a coupé la tête, c'était Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus.
Si on lui a coupé la tête, il ne serait pas, on n'aurait pas dit qu'il a, on n'aurait pas dit qu'on l'a envoyé au bagne. Il s'agit de Jean, l'apôtre, l'ami de Jésus. C'est lui, le dernier apôtre qui restait lorsqu'on avait persécuté tous les autres. Ils étaient tous morts. Bon, alors pourquoi est-il là? Qu'est-ce qu'il a fait? Donne-moi le Milan. Ah, mais oui, donne-moi le Milan. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien de grave. Ah bon? Et on l'a envoyé au bagne? Oui. Ah bon? Au contraire, il a été au bagne tout simplement parce qu'il prêchait l'évangile. Ça ne plaisait pas à l'empereur romain à l'époque. À l'époque, l'empereur romain Dioclétien, c'est lui qui régnait à cette époque. D'accord. Et il a fait mettre en prison au bagne tous ceux qui prêchaient l'évangile. Alors, est-ce que tu sais où il a été mis au bagne? C'est pas à Patmos? Exactement. Mais sur l'île. C'est une île déserte, ça. Oui. Et on l'a envoyé là? Oui. Parce qu'il prêchait? Oui. Dis donc. Comme tu l'as dit, l'île de Patmos. Oui. L'île de Patmos, c'était une île déserte, rocheuse. Donc, imagine-toi un peu, il n'y avait rien à manger, pas d'eau, rien du tout. Le but de l'empereur Dioclétien, c'était que cet apôtre meure à petit feu. Ah ouais, je comprends. Ainsi, l'évangile dans son esprit mourrait aussi à petit feu. D'accord. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu, avec Dieu, si c'est l'évangile de Dieu, tu penses bien que l'évangile ne pourrait s'éteindre. Et c'est là que Dieu est venu lui adresser la parole. Ah bon? Dieu lui a donné des visions. Oui. Ok. Quelle vision? Quelle vision? Oui. Ah bon? Oui, des visions sur l'Apocalypse. Sur l'Apocalypse? Oui. Oh Marie, ne me parle pas de ce livre-là parce qu'il me fait peur. Chaque fois que je le lis, il me fait peur. On parle de serpents. Et vous voyez ma petite fille là, Iris, elle pourrait vous raconter comment j'ai peur d'un ver de terre, d'une chenille. Alors à plus forte raison, quand je lis serpent, j'ai peur. Je te comprends. Et puis, on parle de bête à 7 têtes, à 10 cornes. On parle de plein de trucs qui font peur, de dragons, de quoi encore, de tas de trucs qui font peur, quoi. Alors, moi, je n'aime pas ce livre-là, Marie. Non. Eh bien, écoute, aujourd'hui, tu auras une idée complète de ce que c'est que le livre d'Apocalypse. Que signifie Apocalypse? Apocalypse, c'est tout simplement, il vient du terme grec, Apocalyptus, je ne sais pas bien prononcer parce que je n'ai pas porté au baptême ce nom, en grec, parce que je suis française, qui signifie dévoilement, d'accord, qui signifie aussi révélation. Ouais. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation que Dieu a faite à Jean. Mais on parle aussi de jugement, Marie, hein? Oui, d'accord. Heureusement. Okay. D'accord. Il ne faut pas que le mot jugement, ce terme, te fasse peur. D'accord. Dévoilement, j'écoute. Révélation. Et rappelle-toi, lorsque Dieu a donné des visions à Daniel, d'accord. Il a dit à la fin, il a dit à Daniel, tiens secrète ses paroles. C'est dans Daniel 12, verset 8. Tiens secrète ses paroles. Celle-là jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, la connaissance augmentera. Maintenant, quand il a parlé à Jean, il a donné à Jean des révélations. Il lui a montré des choses qui se sont passées, des choses qui se passent et des choses qui devront se passer. Et il a dit, écris. Ne scelle point ce livre, car le temps est proche. D'accord. Cela veut dire que depuis là, le temps de la fin a commencé. D'accord. Et voilà d'accord. Pourquoi il avait demandé à Daniel, parce qu'à l'époque, les gens n'étaient pas prêts pour comprendre toutes ces prophéties. À l'époque de Jean, Jésus était déjà mort. Mm-hmm. Il avait déjà apporté le pardon. Il avait déjà payé la rançon, ce qui fait qu'il estime que tout le monde était prêt pour comprendre ces prophéties. Maintenant, ce qu'il faut savoir, pourquoi il est un peu difficile à lire si on ne prête pas attention, puisqu'il a dit que celui qui lise fasse attention. Mm-hmm. Parce que ce livre nommé Apocalypse contient
beaucoup de symboles, beaucoup d'images, mais dans un langage humain. D'accord. Pour permettre à chacun de comprendre et d'entrer dans l'amour de Dieu, de comprendre comment Dieu met tout en œuvre pour que nous soyons sauvés et en attendant que nous marchions en nouveauté de vie avec lui. D'accord. Et voilà, donc tu verras, oui. Ne t'inquiète pas, assieds-toi et tu vas voir un peu ce que chacun dira. Je suis sûre qu'à la fin, tu changeras de langage. On verra. Alors, je n'en dis pas plus et je laisse la place à Carole et à Charles. Bonjour à tous. Plantons le décor. L'apôtre Jean se retrouve à Patmos, une des plus grandes îles grecques de l'archipel du Dodécadèse, qui signifie 12 îles. Celle-ci est rude et nue et se situe dans la mer Égée. Patmos signifie mortel, fascinant. Ce que Jean a vu ne lui a pas été fatal sur cette île. Par contre, ce fut mortel, dans le sens familier de très bon, car la révélation dont Dieu lui a fait grâce était fascinante. Dans cette deuxième étape du trimestre, nous avons vu que Dieu s'est révélé à Jean, qui avait besoin à ce moment de réconfort et de certitude, car il avait été exilé à cause de son engagement pour l'Évangile. Le fait que ces visions aient lieu le jour du Seigneur, donc le sabbat, démontre toute l'importance que cela avait. L'apôtre était dans le repos du sabbat et a vu sept chandeliers d'or qui représentaient les sept églises et aussi au milieu de ces derniers, un homme vêtu de blanc qui sans nul doute était Jésus. Cette vision nourrit l'espérance de l'apôtre et devrait aussi nourrir la nôtre aujourd'hui, nous qui attendons avec impatience le retour de Jésus et subissons les assauts de ce monde dépravé. Jésus tenait dans sa main droite sept étoiles, et il explique à Jean que ce sont des anges. Ces derniers veillent sur les églises. Et le fait que Jésus soit au milieu de ces chandeliers, d'or en plus, montre qu'il veille au grain. Nous n'avons aucune raison de douter ou d'avoir peur, car les églises appartiennent à Dieu et pas à un homme. Quoi qu'il advienne, Dieu sera toujours aux commandes et éclairera toujours ceux qui appartiennent à l'église. Dieu demande à Jean de consigner sa vision dans un livre, Apocalypse 1, verset 19. Au chapitre 2 de l'Apocalypse, nous avons vu la lettre à l'église d'Éphèse, qui veut dire « désirable », dans laquelle Dieu lui reproche de ne pas lui être resté fidèle. Aujourd'hui, Dieu nous dit encore, comme à l'époque, « Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite. » C'est ainsi que se terminait la leçon 2. La semaine suivante, dans la leçon 3, il a été question de manière succincte des messages aux sept églises. Dieu reproche à Éphèse, qui veut dire désirable, d'avoir oublié son premier amour et l'encourage à revenir. Dans la lettre à Smyrne, qui veut dire myrrhe ou encore souffrance, Dieu est compatissant et encourage cette église en proie à la persécution à rester fidèle. Pergame, qui veut dire citadelle, reçoit des remontrances pour son apostasie et est invité à se convertir. Thyatire, qui signifie sacrifice perpétuel ou offrande perpétuelle, est pointé du doigt pour avoir laissé des pratiques mondaines intégrer l'Église. Un jugement est prononcé dans cette missive et Dieu invite les membres qui sont restés fidèles à tenir ferme jusqu'à son retour. Sardes, qui signifie ceux qui échappent ou rénovation, est appelé à se réveiller, car par manque d'épreuves, elle s'est assoupie. Philadelphie, la suivante, qui veut dire amour fraternel, et tout comme Smyrne, ne reçoit pas de remontrance. Elle est encouragée à garder le cap de la foi jusqu'au retour de Jésus.
La dernière lettre est pour l'église de Laodicée, qui veut dire « peuple qui dirige » ou « volonté du peuple » ou encore « jugement ». En général, on dit qu'on laisse le meilleur pour la fin. Mais ici, ce n'est pas le cas. Cette église n'est pas du tout au goût de Dieu. Il lui reproche sa tiédeur et sa nonchalance et l'invite à se ressaisir au risque d'être rejeté définitivement. Chaque lettre contient une salutation, une caractéristique de Jésus, des éloges, un reproche et ou un conseil de Jésus et son avertissement à l'Église, un appel à entendre l'Esprit et des promesses à ceux qui vaincront. Les messages de ces églises ont trois dimensions. Historique, parce qu'elles ont vraiment existé. Universelle, car ces lettres s'adressent à tous. Tout le monde est concerné, et les chrétiens en particulier. Et une dimension prophétique, puisqu'elles ont annoncé différentes périodes de l'histoire du christianisme du 1er siècle à nos jours. Cela montre l'omniscience de Dieu par rapport à son peuple. Il veut que tous soient sauvés. Les expériences du passé doivent nous servir. Nous ne sommes pas tenus de reproduire les mêmes erreurs. Restons donc fidèles jusqu'à la fin et nous aurons la couronne de vie. Amen. Amen. Par son sang.
De Dieu et l'amour de Dieu envers les hommes qui ne le méritent pas. La grâce et l'amour de Dieu donnant Jésus-Christ en sacrifice pour nos péchés. La grâce et l'amour de Dieu nous encourageant à accepter ce sacrifice. La grâce et l'amour de Dieu nous poussant à répondre à cet amour par la louange et l'adoration. La grâce et l'amour de Dieu nous donnant la sagesse et la force de nous traiter les uns les autres avec amour et respect comme Dieu lui-même nous traite. La grâce de Dieu est une puissance, elle est illimitée et certaine. Écoutons Théo, Abigail, Iris et Maxime. Timothéo. Ah, pardon, excusez-moi. Quand je suis loin de Jésus, il vient me chercher. Jésus me cherche car je suis précieuse à lui. Amen. Jésus m'aidera quand je serai en difficulté. Amen. Le sabbat est un jour pour apprendre, pour connaître Dieu et son amour. C'était la section primaire. Alors, le thème de ce trimestre, c'était le royaume des cieux et plus précisément, suivre mon sauveur. Donc, pour suivre notre sauveur, nous avons vu comment prier, puisque c'est le seul moyen de communication avec Dieu. Et nous devons être en communication permanente avec lui. Nous avons vu également
qu'il faut marcher avec Dieu, puisque nous avons été créés pour marcher avec lui. Mais depuis que le péché a rompu la relation, Jésus s'est fait humain afin que nous puissions renouer les liens d'amitié avec lui. Donc nous avons vu également que malgré les épreuves, malgré les luttes, malgré les combats, quand Jésus semble absent, il nous faut garder courage, il nous faut nous rappeler qu'il est là et qu'il entend nos prières et qu'il faut également être en méditation avec lui. Nous avons vu également qu'il fallait apprendre à écouter les autres, apprendre à communiquer avec eux et que cela nous permettait de développer de meilleures relations. Nous avons vu qu'en tant que chrétiens, nous devons être des personnes authentiques. Nous devons être fidèles aux principes que Dieu nous donne. Nous devons apprendre également à cultiver le principe de l'honnêteté. Et évidemment, en tant que chrétiens, on peut parler de compétition, puisque comme dit l'apôtre Paul, il nous faut courir vers le but. Alors le titre de cette semaine, Evie, dis-nous, c'était quoi? C'est « Vivre au présent ». La tolérance. Merci. Nous avons vu que nous devons apprendre à être tolérants vis-à-vis des autres. Peut-être que nous ne partageons pas le même point de vue que les autres, mais avant tout, nous devons penser en tant qu'enfants de Dieu. Voilà. Ce matin, Yvette et moi-même, nous avons le privilège de vous présenter un résumé de la leçon 10 qui a pour titre « L'évangile éternel de Dieu ». Alors que Jean est exilé sur l'île de Patmos, il eut une vision. Alors, que voit Jean dans cette vision? Il voit trois anges qui volent par le milieu du ciel. Ils crient d'une voix forte. Pourquoi? Parce qu'ils ont chacun un message d'avertissement pour annoncer aux habitants de la terre. Alors, que proclame le premier ange? Alors, dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, il proclame un évangile éternel pour délivrer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alors, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors, qu'est-ce que l'Évangile? Pourquoi est-il éternel? S'il est éternel, c'est parce qu'il est très important. Alors, premièrement, l'Évangile, c'est la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis l'Évangile est éternel parce que Dieu est éternel. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors,
cet ange nous dit de craindre Dieu. Alors, que veut dire craindre Dieu et donner lui gloire? Il faut le craindre et en même temps lui rendre gloire. Alors, on va voir pourquoi craindre et puis donner gloire en même temps. Mais il nous a dit que ces deux mots sont étroitement liés. Alors, craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, puisque Dieu est amour. Il nous aime donner amour éternel. Pourquoi le craindre? Alors, craindre Dieu veut dire quoi? Je te dis, craindre Dieu veut dire le respecter, lui rendre l'honneur et la gloire qui lui est due. Alors, il nous a dit, le premier ange annonce encore que l'heure du jugement est venue et nous invite à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors, il est dit que l'heure du jugement est venue. Alors, nous voyons combien Dieu nous aime. Il nous avertit, il nous dit qu'il y a un jugement. Il nous donne son évangile et il nous donne nous devons avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir nous préparer en vue du jugement. Parce qu'il y a le jugement qui vient. Alors, ce jugement a commencé depuis quand? Ce jugement a commencé depuis 1844 parce que Jésus est entré dans le lieu très saint. Et ce jugement s'appelle le jugement investigatif parce que le jugement commence par la maison de Dieu, par nous qui avons la connaissance. Alors, quand on entend le nom jugement, ça donne un petit peu peur, hein? On a un peu peur quand on entend jugement. Alors, mais les enfants de Dieu ne doivent pas craindre le jugement de Dieu, puisque ce jugement nous garantit le salut parce que nous sommes des fidèles disciples de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour nous qui avons la connaissance et qui sommes en règle avec Dieu, on n'a rien à craindre. Nous sommes en règle avec Dieu. Alors, ce jugement pour nous, c'est plutôt un salut, la liberté, la vie éternelle que Jésus nous a promis en Jésus-Christ. Alors, qui sont ceux qui doivent avoir peur du jugement? Ce sont ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu, les désobéissants, les rebelles. Alors, pour eux, c'est une mauvaise nouvelle. Tandis que pour nous qui sommes en règle avec Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et pour eux, c'est une mauvaise nouvelle car ils rejettent Dieu et le véritable jour d'adoration qui est le sabbat, le septième jour. Et ils ont remplacé le septième jour par le premier jour de la semaine. Alors, le message des trois anges est important et urgent. Alors, tous doivent l'entendre. Car au dernier jour, la bête exercera son autorité sur toutes les nations. Alors, que réclame cette bête? L'adoration, et que l'adoration appartient à qui? À Dieu seul. Alors, que représentent les trois anges qui volent par le milieu du ciel et qui ont un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre? Que représentent ces trois anges? Le peuple de Dieu, ce message nous est donné. Alors, nous avons une mission. Nous devrions accomplir cette mission en annonçant cette parole au monde entier qui périt et qui ne connaît n'est-ce pas Dieu. Merci, Héloïse. Alors, l'avertissement nous est donné. La parole de Dieu nous dit, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. La mère des prostituées et de toutes les abominations de la terre. Elle et ses filles ont apostasié. Elles sont devenues les adversaires du Dieu vivant.
Elles ont enivré toutes les nations d'un faux système d'adoration, sortant du paganisme ancien et foulant aux pieds la loi de Dieu, le Saint-Sabbat. D'ailleurs, toute la première partie du décalogue a été rejetée, foulée aux pieds. D'ailleurs, certains commandements ont disparu, tels que le commandement qui ordonne de ne pas se prosterner devant les images. Ça a disparu du catéchisme. Et voilà que toutes les églises sont inondées de statues et de tout ce que Dieu ne veut pas que l'homme se prosterne devant. Alors, ils ont enivré toutes les nations du faux système d'adoration, foulant aux pieds le Saint-Sabbat et en établissant à la place un jour leur convenant, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Ensuite, ils persécutent les fidèles serviteurs de Dieu durant les 1260 années du Moyen-Âge où l'obscurantisme a pris place dans l'Église. Les hommes ont persécuté les fidèles serviteurs de Dieu, du Dieu vivant, parce que ne pouvant pas les contraindre à adorer le faux jour, ils étaient chassés, pourchassés, ils étaient envoyés dans des prisons, dans des forteresses, ou alors brûlés au bûcher. Toutes ces choses sont arrivées aux enfants fidèles de Dieu parce qu'ils n'ont pas cédé le pas devant Babylone la Grande. Donc, Babylone elle a pu mener ses persécutions, mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit qu'elle est tombée et son sort est scellé pour l'éternité. Elle boira déjà la coupe de la fureur du Dieu vivant sans mélange de miséricorde. Elle est l'ennemie de la vérité et du Saint-Sabbat. Elle a persécuté et elle persécute encore les fidèles qui obéiront au commandement de Dieu en gardant la foi de Jésus. Jésus invite son peuple à sortir de Babylone. L'ange dit, sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Parce que les fléaux de Dieu sont assurés d'arriver en temps et en heure. Alors, mettons-nous du côté du vainqueur, de la bête et de son image, celui qui est le grand vainqueur, qui a vaincu la mort. Gardons comme un trésor précieux la sainte loi, et en particulier, chérissons le quatrième commandement de Dieu qui doit faire l'objet de toute notre attention et de toute notre adoration. Amen. Alors, encore un peu de patience. Il y a longtemps que vous êtes assis, je vous demande de vous lever. C'est la leçon des compagnons qu'on va maintenant entendre. Levez-vous. Alors, la leçon de ce trimestre a porté sur le livre de la Genèse. L'étude concerne la chute et l'impact du péché, mais surtout parle du caractère de Dieu. L'histoire du Jardin d'Éden nous semble lointaine aujourd'hui. Pourtant, la chute d'Adam et d'Ève, c'est encore notre chute. Pourquoi ? Parce que le péché consiste à pousser l'homme à perdre confiance en Dieu et à se focaliser sur lui-même. La vie des personnages que vont vous présenter, les compagnons, montre que la grâce parfaite et merveilleuse de Dieu, celle qui nous sauve, dépasse de loin notre faiblesse et notre péché. Écoutez, pouvez-vous rasseoir ? Ça fait un petit exercice, pas vrai ? Bonjour. L'histoire de Caïn et Abel présente deux types de personnes qui présentent des attitudes différentes vis-à-vis de Dieu et qui empruntent des chemins opposés. Abel
discernait la grâce de Dieu, Caïn, dans son cœur, se révolta contre lui et s'obstina, malgré ses appels à faire marche arrière, ou se repentir. Leur histoire est le premier constat du contraste entre ceux qui obéissent avec confiance et ceux qui rationalisent en suivant leur propre voie. Leur vie en Éden et leur intime communion avec Dieu avant le péché, Adam et Ève réussirent pendant près de 1000 ans. 1000 ans ? Oui, 1000 ans, à transmettre les leçons des terribles conséquences du péché à leurs descendants, mais surtout l'expérience de l'amour salvateur. À la naissance de son fils, Enoch débuta une marche de 300 ans avec Dieu. Trois aspects de sa vie émergent dans quelques informations que la Bible donne. Enoch marcha avec Dieu, plaisait à Dieu et témoignait pour Dieu. Il vécut la relation que Dieu désire établir avec chacun, intimité, confiante et permanente. La société antédiluvienne était tournée uniquement vers le mal et la rébellion contre le Créateur. Mais au milieu de ce monde pécheur, Noé, comme Enoch, resta fidèle dans sa marche avec Dieu. Il est le modèle de relation nécessaire aujourd'hui, alors que le retour de Jésus est proche. L'arche était la preuve de la miséricorde divine et la manifestation de la foi de Noé. Il a vécu en témoignant et travaillant tout en se préparant à la tempête. Faisons de même. Son nom et sa vie sont un exemple de foi, d'obéissance. Il est le père de nombreuses nations et est à l'origine du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Son nom, Abraham. Sa foi, tout comme la nôtre, a dû grandir à mesure des expériences, des épreuves et des échecs, jusqu'à atteindre son paroxysme sur le mont Moria, lieu du sacrifice interrompu d'Isaac. Dieu ne nous demande pas de regarder aux circonstances, mais de regarder à lui. Il fera mûrir notre foi comme il l'a fait avec Abraham. En choisissant de vivre au milieu d'une génération corrompue, au lieu de s'en éloigner, Lot prépara involontairement la ruine de sa famille. Son histoire nous rappelle le pouvoir des influences bonnes ou mauvaises auxquelles nous sommes exposés ou que nous dégageons. Elle nous démontre encore la merveilleuse grâce de Dieu qui cherche à tout prix à nous éviter la ruine. La vie de Jacob nous offre un exemple frappant de l'histoire du salut. Elle nous montre la grâce inconditionnelle de Dieu. D'autres leçons dégagent de sa vie et mettent en évidence les conséquences terribles du péché. Mais elle nous parle aussi de réconciliation. Dieu se sert de nos faiblesses pour nous rendre plus forts. Son combat près du fleuve préfigure le grand conflit qui aura lieu à la fin des temps. Comme Jacob, la volonté de Dieu est que nous sortions victorieux de la dernière épreuve. Tout s'agite dans la ville, les gens courent de partout, se dirigent vers la colline où l'on tue avec des clous. Aujourd'hui, il y a 3 hommes qui vont être crucifiés, un spectacle qu'il ne faut surtout
tout paraté. Je m'approche avec la foule, ces gens assoiffés de sang. Quand soudain j'entends hurler quelqu'un d'un cri déchirant. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Ces corps cloués sur tes croix, moi j'ai du mal à supporter. Au milieu des deux brigands, je vois un homme que je connais. C'est Jésus, celui qui prêchait, du bien partout, mais ce qu'il disait en dérangeait beaucoup. L'un des malfaiteurs l'insulte, l'autre dit pour l'arrêter, pour nos têtes mort injuste, mais lui ne l'a pas mérité. Ne m'oublie pas, quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas. Il s'agira des bienfaits des fruits. Il faut demander à vos parents de vous conduire à la foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote durant les vacances. Vous avez entendu? N'oubliez pas. Merci de votre présence. Sortez. Laisse la chaise. Dépose le micro. Psst. Dépose le micro. Dépose le micro. M'acheter des oranges. Mais oui, mon cher, mais oui.
J'espère que Liliane m'a laissé mon petit paquet de légumes à soupe. Bonjour Liliane. Bonjour. Bonjour Nono. Eh bien, ton petit-fils a bien grandi, hein? Eh bien oui, je suis très fière de lui. Alors, je suis bien contente de te voir. Dis-moi, en quelle classe que tu es maintenant? Je suis au CA2. Continue. Dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu me proposes? Eh bien, je t'ai préparé ton petit paquet de légumes à soupe comme d'habitude. Ah, je venais de dire à mon petit-fils que j'espère que Liliane ne m'a pas oublié. Hein? T'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. J'ai des bananes, j'ai un ananas, j'ai des prunes, j'ai des concombres, j'ai des oranges. Mamie, n'oublie pas mes oranges. Mais oui. Tu sais que dans les légumes et les fruits, il y a des antioxydants. C'est quoi des antioxydants? Eh bien, c'est une vitamine qui lutte contre le cancer. Dis-moi, tu as les nouvelles de Monsieur Jean? Eh bien oui, Monsieur Jean, ça va. Il était malade, il est resté malade quelque temps, mais il a repris son petit jardin qui n'a pas de pesticides, qui n'a pas de produits pour abîmer notre santé et surtout qui n'a pas de chlordécone. Mais c'est quoi cette histoire de chlordécone? Comment ça, cette histoire de chlordécone? C'est une histoire de produits avec des chansons dans les bananes. Les gens ont mis leurs produits dans cela pour bousiller notre santé, hein? M'empêcher de manger ma petite retraite, être malade comme pas du tout. Voilà. Ah, d'accord, mise à fait. Alors, qu'est-ce que tu me donnes aujourd'hui? Alors, je te donne ton petit paquet de légumes à soupe. N'oublie surtout pas les oranges pour ton petit-fils. Ah bon, mais oui. Et je te donne les bananes. Ok. Tu vas me payer comme d'habitude la semaine prochaine. Pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, tu diras bonjour pour moi, Monsieur Jean. Eh bien, tu as une petite mandarine pour toi. Et je suis bien contente de te voir. Merci beaucoup. Alors, bonne vente. Hein? Oui. J'ai encore d'autres stands à visiter. Allez, à plus tard. Bonne visite et j'oublierai pas de saluer Monsieur Jean pour toi. Ok. Ah, j'ai tout raté. Enfant. Bonjour. Alors, vous avez bien profité des vacances? Oui. Qui a pu se rendre à Rivière-aux-Pilotes durant les vacances? Moi. C'était super. Ah, qui d'autre? Moi, je suis allée avec ma sœur. Ah, c'est parfait. Maintenant, nous allons réviser l'importance des couleurs dans nos aliments. Donc, on commence avec Pierre. Les aliments blancs, comme l'ail et les champignons, contiennent de la lysine, un produit qui lutte contre les dépôts de graisse dans le sang, qui contrôle la pression artérielle et qui lutte contre les produits nocifs. Très bien. Très bien, Pierre. Oui, Emmanuel? Moi, j'ai le jaune et l'orange, le citron, la carotte et l'orange, qui sont riches en vitamine A et qui contiennent la bêta-carotène, qui sont bons pour la peau, les yeux, et ils sont bons aussi pour le système immunitaire. Très bien. Les aliments rouges, comme la tomate et la pomme,
Ils contiennent du lycopène qui lutte contre les cancers. D'accord. On écoute Sacha? Ceux de couleur verte, comme le brocoli et les épinards, sont riches en lutéines et en sulfurophane, qui sont anti-cancers. Ils améliorent le métabolisme des graisses et ont des propriétés anticoagulantes. Mathis? Oui, ça fonctionne. Ceux de couleur violet, les aubergines, antioxydants, évitent le vieillissement et les maladies dégénératives. Voilà, je suis fière de vous. Vous avez très bien appris vos leçons. Donc, les phytonutriments sont des composés qui permettent aux fruits d'avoir leur couleur, leur saveur et aussi leur texture. Ils produisent des bénéfices pour le corps. Que disent les Américains? Vous savez que disent les Américains? Il faut manger? Alors dites bien qu'on entende, il faut manger? Il faut manger un arc-en-ciel. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Très bien. Pourquoi il faut manger 5 fruits et légumes par jour? Pour ne pas faire d'AVC. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est qu'un AVC? Voilà, donc nous devons bien nous nourrir, manger des fruits et des légumes bien variés pour avoir une bonne santé et ne pas faire d'AVC. Donc, nous allons recevoir le professeur de chant dans un instant. N'oubliez pas vos bonnes manières, hein, d'accord? Asseyez-vous. Alors, comme vous a dit le professeur, nous aurons notre semaine, nous allons clôturer notre semaine. Et j'espère que vous avez révisé le chant. Oui, madame. Oui? Sacha, tu as révisé le chant? Oui, madame. Ok. Alors, on y va. Pas de fruits,
nous les fruits, on les aime bien. Pour les kiwis, elle, pour les litchis, elle, on aime les mirabelles. Nous les fruits, on les aime bien. Y'en a qui ont des bénins, comme les pommes et les raisins, mais il y a tellement de vitamines. Y'en a qui ont des maillots, comme les pêches, les abricots, qui de la confiture pour nos tartines. Elle, pour les narines. Oh, pour les oranges. P, le P c'est pour ma pomme. Nous les fruits, on les aime bien. Q, c'est pour les couèches. R, pour les raisins. S, nous sommes des sanguins. Nous les fruits, on les aime bien. Y'en a qui ont des pépins, comme les pommes et les raisins, mais il y a tellement de vitamines. Y'en a qui ont des noyaux, comme des pêches et des abricots, vive la confiture pour nos tartines. Et pour tangerine, y'a rien de connu. Mais la glace à la vanille, nous les fruits on les aime bien. Pas de fruits trouvés pour le W, ni le X et le Y, mais un petit geste pour le Z. Un petit geste pour le Z. Un petit geste pour le zèle. Alors, à la semaine prochaine, les enfants. Au revoir. Au revoir. Faux. Ton doute et tes craintes sont-elles levées? Eh bien, Marie, j'ai très bien compris que ce sont des bêtes symboliques. Donc, il n'y a pas de problème. Je n'aurai plus jamais peur de lire le livre de l'Apocalypse. Voilà. Et puis, mais par contre, je ne sais pas si j'aurai toujours peur des vers de terre et des chenilles. Merci Marie de m'avoir invitée. L'essentiel, c'est que toi et les autres qui nous ont écoutés ce matin ont compris que le livre de l'Apocalypse a été écrit pour le peuple de Dieu, le peuple du reste, et non loin d'être un objet de crainte et de peur. C'est au contraire une bonne nouvelle que Dieu nous apporte parce qu'elle contient des promesses, des bénédictions, de l'espérance et surtout du courage pour arriver à la fin jusqu'à ce que le Christ revienne.
Nous allons vous inviter à vous tenir debout pour la montée des officiers. Appel à l'adoration. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut, car l'Éternel est grand et très digne de louange. L'Éternel a fait les cieux, la splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Comme souverain de nos vies, nous voici, Seigneur, te demandant de prendre possession de nous. Au nom de Jésus, amen. Bonjour. Aujourd'hui, en ce jour de partage et de communion, nous nous berçons de notre amour, nous renforçons notre union. Aujourd'hui, avec espérance, nous nous détachons de nos souffrances, attendant avec joie lorsqu'il nous emmènera par la foi. Aujourd'hui est un jour particulier où tous, en fraternité, remercions Dieu en ce jour spécial, car il veille sur nous telle une étoile. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis pour louer celui qui a changé nos vies. C'est avec joie que je nous souhaite, à vous comme à moi, une cordiale bienvenue. Bienvenue à tous. Je vous invite à ouvrir vos cantiques au numéro 24 de notre hymne et louange. Alléluia, louange à Dieu. Nous ferons les strophes 1, 2 et 4. Peace.
La lecture de la Bible se trouve dans Nombre 2, verset 31. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement. 157 600 hommes, ils seront les derniers dans la marche selon leur bannière. Nous allons nous prosterner pour la prière. Père qui es aux cieux, à toi la gloire, la louange et l'honneur en ce beau jour de sabbat. Nous te louons, nous te glorifions, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, car tu es digne de louange et d'adoration. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce programme de ce matin qui s'est déroulé, qui se déroule actuellement. Merci pour les chants, les louanges, pour les enseignements au niveau des prophéties. Merci pour toutes choses. Nous sommes très reconnaissants. Aide-nous, Seigneur, à vraiment assimiler toute ta parole et surtout à la mettre en pratique et à nous préparer surtout pour ton retour prochain. Que tu puisses bénir toute l'Assemblée, ceux qui n'ont pas pu venir également, tous ceux qui souffrent et qui sont dans le désarroi en ce jour de sabbat. Veille, Seigneur, à les garder, veille sur eux et que tu puisses leur influencer, Seigneur, ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent avoir du courage et continuer la course chrétienne. Aide-nous, Seigneur, à avoir de l'amour chaque jour les uns pour les autres, d'une fraternité que tu nous as donnée, et à vivre cet amour véritable que tu nous demandes à travers ta parole. Aide-nous à ressembler chaque jour à Jésus-Christ, notre justice, et à l'appliquer chaque jour dans nos vies. Bénis ton assemblée, bénis ceux qui nous suivent par le bien du net également, bénis les petits, les grands et les personnes âgées en ce beau jour de sabbat. Et gloire à toi pour toutes les bénédictions que tu nous as déjà accordées durant ce matin. Nous te louons, te remercions pour les dîmes, les offrandes que nous avons apportées, que cet argent puisse servir à l'avancement de ton œuvre dans le monde entier et que le maximum soit sauvé par toi, mon Père Céleste, à travers ce moyen. Merci de nous bénir et de bénir tous ceux qui travaillent également et ceux qui ne travaillent pas également, que tu puisses les assister, les soutenir et qu'ils puissent bénéficier également et avoir ce privilège de pouvoir donner également le fruit de leur travail. Gloire à toi, louange à toi, notre Dieu, pour ta servante que tu as mis à notre disposition ce matin. Que tu puisses, Seigneur, l'aider par ton Esprit Saint et que l'on puisse comprendre tout ce message d'amour que tu as pour nous ce matin. Et que tu puisses toucher particulièrement les petits afin qu'ils puissent recevoir de toi toutes les bénédictions que tu as promises pour eux. Gloire à toi, louange à toi, notre Dieu, que ton nom seul soit béni et exalté et reste avec nous pour ce culte. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Bonsoir. Effectivement, bon. Service de fidélité se trouve dans Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen.
Nous entendrons le chant de circonstances et les diacres passeront, les diacres et les diaconesses passeront pour récupérer les dîmes et les offrandes. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Amen. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Amen. Accomplir grâce à Dieu.
As-tu jamais parlé à ton Dieu, lui demandant d'être ton ami? Prie au nom de Jésus, car Dieu répond aux prières. Lui as-tu raconté tes soucis? Il connaît tous tes petits ennuis. Sois certain qu'il écoute, qu'il répond aux prières. Tu peux lui murmurer tes prières, tu peux pleurer les genoux à terre. Pas même besoin de parler, il connaît tes pensées. Sur une haute montagne, il est là. Dans la vallée, il entend ta voix. Que tu sois sur la terre, il est toujours ton Père. Dans sa parole trouve la vérité, tu seras fort car Dieu te connaît. Tu seras transformé car Dieu répond aux prières. Thank you.
pour introduire le message d'aujourd'hui, je veux vous inviter à vous tenir debout pour entonner les paroles du numéro 569 de notre hymne et louange. Mon Sauveur, c'est par la foi que je m'approche de toi. Yaël, Emmanuel, Talia, rangez-vous. Rangez-vous. Alicia, après Alicia, Abigail, après Abigail, Emmanuel, après Emmanuel, Talia, Sarahi, Théo, Kedi, Harmonie, Aloïsia, Néhémie, Ossiali. Si tu as ta feuille, prends ta feuille. Sinon, suis avec quelqu'un. Voilà. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent à l'Éternel ce cantique. Ils dirent, je chanterai l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes lois. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée, ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par ta grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme des murailles. Les eaux se sont durcies au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assurée, je tirerai l'épée, ma main les détruirai. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans les profondeurs des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi parmi les... Magnifique, en cette tête digne de louange, opérant des prodiges.
Tu as étendu ta voix, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent dans la défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ta main, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé au Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les emmèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure au Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel règnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers sont entrés dans la mer, mais l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais le peuple d'Israël a marché à sec au milieu de la mer. Je vous salue tous fraternellement, Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, et nous sommes en train de vivre cette expérience. Dieu nous maintient dans sa maison jusqu'à maintenant pour nous apprendre à vivre durant l'éternité, parce que le sabbat va durer l'éternité. Donc nous sommes en répétition aujourd'hui. Remercions-le pour ce jour de sabbat qui nous permet de vivre dans sa maison, et réjouissons-nous pour cela. Nous allons ensemble, avec les enfants, réviser ce qu'ils ont vu durant ce trimestre. Ils ont appris à cheminer, à regarder le peuple d'Israël cheminer dans le désert. Et ils ont compris des choses importantes. Quelles sont les valeurs que vous avez apprises, les enfants? Qu'est-ce que vous avez retenu comme valeur importante? Première valeur, où sont-ils les enfants? Vous avez appris là la patience. Aujourd'hui, je crois qu'heureusement on l'avait appris. Ce sera nécessaire pour aujourd'hui. Nous avons appris la patience. Nous avons appris quoi encore? Après la patience, l'obéissance, la persévérance, le respect, le discernement, l'amour. Ce sont toutes ces valeurs que durant ce trimestre et d'autres aussi que nous avons étudiées. Aujourd'hui, avec les enfants, et je m'adresse spécialement à eux ce matin, parce que c'est leur jour. Vous êtes là, les enfants? Je sais qu'il est tard, que vous avez plus envie d'être devant une assiette que d'en écouter, mais je ne serai pas longue. J'irai vite. Mais j'aimerais que vous puissiez ressortir avec l'essentiel. Nous avons appris que Dieu nous aime et qu'il prend soin de chacun d'entre nous. Nous avons appris cela et aujourd'hui, nous voulons terminer ces différentes valeurs avec une qui est essentielle. Nous allons considérer le chapitre 2 du Nombre 2, et le verset que nous avons appris ce matin, qui nous a été lu ce matin,
Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche selon leur bannière. Tout le chapitre 2, présente des éléments importants. Il nous présente les tribus. Chaque tribu d'Israël était regroupée par trois, donc par groupe de trois. Alors, ceux qui calculent vite, les grands, Mélodie, il y a 12 tribus. Chaque tribu est rassemblée en groupe de trois. Alors, combien de camps a-t-on fait? Combien de camps? Je n'ai pas entendu. Quatre camps. Il y avait quatre camps. Quatre groupes de trois tribus. Alors, le camp, la description de chaque camp se termine avec le nombre de soldats que l'on trouvait dans chaque camp. Donc, ceci nous permet de déduire une chose, c'est que le peuple était très nombreux. Si seulement l'armée, chaque camp avait déjà plus de 100 000 personnes, vous considérez que on peut compter qu'il y a plus environ 1 million de personnes que le peuple, que Dieu déplaçait. Et c'est pourquoi que pour faire déplacer tout ce monde, il fallait une organisation spéciale et particulière. Et Dieu n'a rien laissé au hasard. Notre Dieu ne laisse rien au hasard. Et lui-même, il va donner l'ordre de marche. Chaque camp, avec chacun de ces camps, leurs trois tribus, devait s'organiser. Donc, il y avait le premier camp qui était au midi. La Bible nous parle du midi. En général, lorsqu'on parle midi dans la Bible, c'est un point cardinal qui veut dire le sud. Alors, le camp du sud, c'est le camp de Ruben. Il y avait trois autres tribus avec lui. Après le camp de Ruben, il y a le camp situé à l'Occident. L'Occident, c'est où les plus grands? Alors, c'est les points cardinaux. L'Occident, ça représente quoi? L'Ouest. Alors, le camp qui était situé à l'Ouest, c'est le camp d'Éphraïm, avec trois autres peuples, trois autres tribus. Il y avait ensuite la tribu qui était à l'Occident. On a vu l'Occident, le Midi, on a déjà vu l'Orient. Maintenant, nous allons voir la tribu qui se trouve au Nord. Et c'est celle qui nous concerne ce matin. C'est la tribu d'Éphraïm, la tribu de Dan. Et cette tribu, c'était la dernière à se déplacer. Dieu avait ainsi placé les autres. Le camp de Dan, où Dan devait se réunir, c'était le Nord. Vous voyez très bien. Et au milieu de ces quatre tribus, de ces quatre camps, vous avez le tabernacle entouré par les Lévites qui, eux, n'avaient pas de camp particulier parce qu'ils étaient chargés de s'occuper du tabernacle. Comment Dieu précise et organise les choses pour chacun de nous? Chacun, et les enfants, écoutez-moi maintenant, je vous attends, on me regarde, moi maintenant. Je veux que tout le monde me regarde, enfin les enfants, les adultes peuvent jouer à Tipointi quoi. Donc, les grands, les petits, les ados et les pré-ados, écoutez-moi. Chacun avait un rôle particulier à jouer. Dieu nous donne à chacun une mission à accomplir. Chacun d'entre nous. Personne n'est trop petit. Et ce matin, j'ai beaucoup apprécié comment vous avez participé à ce culte. Comment vous avez écouté Dieu vous parler. Tout comme le peuple d'Israël était guidé par Dieu, Dieu nous guide aussi. Dieu nous conduit lui-même. Il nous conduit. Et il nous conduit de façon extraordinaire. Il ne nous laisse pas seuls. Quel est l'élément essentiel, le document essentiel, les enfants, que Dieu nous a laissé pour nous guider? Alors, oui, la Bible. La Bible, c'est l'élément essentiel que Dieu nous a donné, le seul document que nous avons besoin pour cheminer avec notre Dieu, c'est la Bible. Alors,
la Bible, on la considère comment? Comment on la considère, cette Bible? Vous l'avez vue durant ce trimestre, oui? Comme un trésor précieux, quoi encore? Bien. Comme une lampe. Qui connaît ce verset parmi les enfants? Alors, la Bible, c'est quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, les enfants, on va se mettre debout et dire ça fort. On va répéter ensemble. On se met debout. On répète ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds. Je ne vous ai pas entendu. Les parents sont pressés de rentrer, donc on va faire ensemble, mais bien. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On répète? Amen. Ce verset se trouve dans 119, le psaume 119, le verset 105. Ta parole, c'est toute la parole de Dieu, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous avez ainsi, vous pouvez vous rasseoir, mes petits. Vous avez ainsi la parole de Dieu. Dieu nous demande d'étudier cette parole. Et Dieu, pour cela, a mis à côté de vous des parents pour vous aider pour l'instant à étudier cette parole. Pour l'instant, ils sont là pour vous aider. Mais il va arriver un certain âge où vous serez seul à pouvoir et à continuer l'étude de la parole de Dieu. Donc, continuez à l'étudier, à l'approfondir. Ensuite, Dieu conduisait aussi le peuple d'Israël par une colonne de nuée qui conduisait ce peuple. Dans sa parole, Dieu nous a aussi donné cette colonne. Dieu nous a donné une façon pour que nous puissions l'adorer, une manière sur le comment le suivre. Alors, grâce à quoi, je vous écoute là maintenant les enfants, grâce à quoi nous savons comment nous devons marcher pour Dieu, avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a mis dans sa parole pour nous? Qu'est-ce qu'il a mis dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il a mis pour que nous puissions savoir comment l'adorer, comment le servir, comment servir Dieu et comment servir les autres? Alors, oui, les psaumes, oui, plus petit que les psaumes. 10 paroles importantes de Dieu, oui? Les 10 commandements. Les 10 commandements sont les 10 paroles importantes de Dieu pour nous conduire, pour nous dire le comment. Parce que vous savez une chose, le cheminement que nous avons à faire avec notre Dieu, le chemin que nous avons à parcourir, la voie que nous avons à parcourir, eh bien, c'est une course, mais c'est une course d'endurance, une course de persévérance. Suivre Christ, cher petit, ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint. Un sprint, c'est quoi? C'est quoi un sprint? Qu'est-ce qu'on fait? On court vite, vite, vite. Alors, c'est qui est le champion de ça dans le monde aujourd'hui? On ne l'a pas encore battu. C'est qui est-ce? Usain Bolt. Heureusement que pour moi, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. Hein? Parce que je n'aurais pas gagné la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se vit pas dans la distance, ne se vit pas dans le temps que nous prenons, mais dans le comment nous vivons cette course chrétienne. Et la parole de Dieu nous dit le comment dans les 10 commandements. Donc, apprenons les 10 commandements et cela va nous donner comment nous pouvons vivre les uns avec les autres et avec notre Dieu. C'est pourquoi je disais que vivre cette course, c'est un exercice de persévérance, un exercice d'endurance. Et chaque jour, petits et grands, eh bien, nous avons besoin de nous placer sur le point de départ pour continuer la course.
Et soyez sûrs que Dieu veut nous conduire. Alors la question qui se pose ici, est-ce que vous les petits, vous les grands, vous les ados et les pré-ados, est-ce que vous êtes prêts à entamer la route vers la Canaan céleste? Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Oui? Vous êtes prêts? Alors si vous êtes prêts, j'aimerais que vous vous remettiez debout et on va reprendre le titre de notre message ensemble. On se met debout les petits, les grands, les ados et les pré-ados. Et on va dire ensemble, je sais qui je suis et où je vais. Encore. Alors je vous pose la question, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quoi? Amen, amen. Gloire à Dieu. Je veux dire, comme Jésus, c'est Dieu qui t'a soufflé la réponse. Nous sommes effectivement des princesses et des princes de l'Éternel. Vous êtes les enfants que Dieu aime et qu'il veut conduire sur le chemin. Et où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Qui est-ce qui est sûr qu'il va au ciel là? Vous êtes sûr que vous allez au ciel? Oui. Amen, alléluia. Alors, parents, restez sur le chemin. Ne jamais oublier qui vous êtes. Qui vous êtes? Les enfants de Jésus. Qui vous êtes? Les enfants de Jésus. Pas aujourd'hui seulement. Dans la cour de récréation, quand votre maman va mettre des gombos sous la table et que dit, j'aime pas ça. Non, l'enfant de l'Éternel, parce qu'il veut être en bonne santé, mange les gombos. C'est tous les jours, dans les petits détails de notre vie, que nous sommes enfants de l'Éternel. Donc, on fait attention à cela et que nous devons nous préparer pour vivre l'éternité avec notre Dieu. Donc, considérons cela et allons avec notre Dieu. Donc, être un enfant de Dieu qui se prépare, c'est toujours avoir, qu'est-ce qu'on a dit? Avoir ce dont nous avons besoin, la lampe, la torche, la Bible et une carte qui nous dit comment y aller. Je suis un voyageur sur cette terre. Je suis un enfant de Dieu qui se prépare pour son retour. Dieu vient chercher des personnes qui sont en marche pour la nouvelle Jérusalem et prêtes à vivre pour lui. J'ai fait le choix de posséder ma lampe de poche, ma carte itinéraire, ma Bible. Et toi, veux-tu faire de même? Prenez vos sacs à dos, votre Bible, votre lampe de poche, et je vous remettrai l'itinéraire. Rappelons-nous d'une chose, ce sont les persévérants. Vous pouvez monter les enfants, montez. Ce sont les persévérants qui hériteront le royaume des cieux. Ne l'oubliez jamais. Voilà, voici un petit soldat pour Jésus. Mon petit soldat. Vous avez votre itinéraire. Vous avez la parole de Dieu. Vous avez les 10 commandements. Pour l'instant, vous lisez avec papa, maman. Mais il va arriver un jour où vous devriez apprendre à lire et à sonder la parole de Dieu pour vous-même. Tout ceci, c'est important. Alors, rappelons-nous de cela. J'aimerais que nous puissions ensemble répéter notre slogan avec conviction. Je vais vous l'apprendre. Nous voulons marcher, marcher jusqu'au bout, marcher jusqu'au retour de Jésus. On reprend ensemble? Nous voulons marcher, marcher jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus. Ça va? Vous avez retenu? Alors à vous maintenant. Une, deux. Marcher jusqu'au bout,
jusqu'au retour de Jésus. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs. On va prendre tout ensemble. Nous voulons marcher, marcher jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus. Avec Jésus, nous serons vainqueurs. On reprend tout cela ensemble, fort, sans moi. Nous voulons marcher, marcher. On va reprendre la dernière partie. Avec Jésus, nous serons vainqueurs. Et maintenant, on va mettre ça au présent. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Vous êtes sûr de cela? Oui. Alors, on répète. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Voilà. Voilà ces enfants, chers parents, qui ont décidé de marcher avec Jésus. Pour l'instant, ils sont petits. Ils ont besoin de vous. Pour que vous puissiez les maintenir sur le chemin de l'éternité. Va arriver un jour où ils pourront voler leurs propres ailes, mais aujourd'hui, ils comptent sur vous. Alors, j'aimerais demander aux parents dans la salle de se mettre debout pour que nous puissions ensemble dire qu'avec Jésus, nous sommes vainqueurs pour conduire jusqu'à l'éternité les enfants qu'il vous a confiés. Alors, votre phrase, avec Jésus, vous êtes vainqueur, je suis victorieuse, je suis vainqueur pour conduire sur l'éternité les enfants qu'il nous a confiés. Vous êtes grand, vous saurez dire ça tout seul. Allez, je vous écoute, chers parents. Les enfants font mieux que vous, c'est pas vrai. C'est trop long, on va pouvoir assumer. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Pour conduire sur le chemin de l'éternité. Les enfants que tu nous as donnés. Amen. Et pour prier, pour pouvoir asseoir ce que nous venons de dire, pouvoir confirmer ce que nous venons de dire, nos enfants vont rester là et les parents qui veulent les rejoindre pourront venir les rejoindre. Nous allons nous mettre, vous restez debout et nous allons prier avec Georges comme une prière de consécration. D'abord, pour dire merci à Dieu pour les enfants qu'il nous a confiés. Ensuite, pour demander à Dieu de maintenir ses petits sur le chemin de l'éternité et que nous puissions ensemble les maintenir aussi avec la force que Dieu nous donne. Alors, les parents qui veulent se rapprocher de leurs enfants, vous pouvez le faire. Bon, alors maintenant qu'il y a deux parents qui sont venus, tous les parents sont obligés de venir parce que les enfants vont dire... C'est pas ce parent-là aime son enfant plus que mon parent lui-même. Alors vous êtes obligés de venir. C'est là que je suis très jaloux, les enfants. Hein? Alors rapprochez-vous de vos enfants et allons prier avec Georges. Avec nos enfants, les accompagnant chaque jour sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Et frères et sœurs, nous devons assumer cette responsabilité. Je crois que tous les enfants sont accompagnés. Voilà. Voilà. Ça y est. Nous allons incliner la tête et réclamer la plénitude du Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, comment ne pas te remercier pour tant de privilèges tu nous accordes chaque jour de notre vie. Tu nous as donné, Seigneur, cette responsabilité. Mais tu ne nous as pas laissés seuls.
car tu nous as donné la plénitude de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions chaque jour nous présenter à toi et t'ouvrir notre cœur. Père, nous voulons avant tout te dire que nous t'aimons et que nous voulons faire ta volonté. Et pardonne-nous pour nos imperfections et sensibilise-nous chaque jour afin que nous puissions regarder qu'à toi et grandir devant ta face en statue et en grâce. Ces enfants, Seigneur, qui sont l'Église d'aujourd'hui, ont besoin de toi, ont besoin de la plénitude de ton Saint-Esprit, ont besoin de cet enseignement, Seigneur, ont besoin des anges pour les encadrer, les entourer, pour les protéger, afin que ces enfants qui représentent l'Église d'aujourd'hui puissent grandir en statut et en grâce devant ta face et faire ta volonté. Pour qu'ils puissent t'aimer chaque jour, Seigneur, te plaire et être ces enfants sur lesquels tu pourras toujours compter. Nous savons, Seigneur, si nous les plaçons sur ton autel, tu sauras en prendre soin et tu sauras, Seigneur, les toucher par ta grâce afin que ces enfants puissent être dans ce monde une force morale et que, Seigneur, chaque jour, par leur témoignage, par leur vie de consécration à toi, ils puissent permettre à d'autres de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, mais dans leur âge, ils ont besoin aussi des parents. Ils ont besoin de tous ceux et celles qui les entourent. Puisses-tu permettre, ô Dieu, que nos vies soient cachées dans celles de Jésus-Christ, afin que nous puissions faire ta volonté et que nos conduites, Seigneur, soient vues, soient entendues par ces enfants et qu'ils puissent calquer leur vie, non pas sur les parents, même s'ils reçoivent ces instructions venant de toi, mais que leur vie soit calquée sur celle de Jésus-Christ. Et que ces enfants, Seigneur, puissent, avec les adultes, avec leurs parents, avec tous ceux qui les entourent, être debout pour t'acclamer et vivre avec toi au jour sans fin de l'éternité. Ouvre leur intelligence, Seigneur, et accorde-leur même dans leur petit âge la sagesse, afin qu'ils puissent toujours te rechercher. Accorde-leur, Seigneur, toute l'attention qu'il faut, et donne-leur, Père, l'amour des âmes, l'amour des parents, et que nos enfants dans cette société puissent chaque jour prôner ta vérité, car ils ont étudié chaque jour ta parole et la vérité. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas faire de discours, mais nous voulons simplement te dire de mettre sur les parents comme les enfants ton sceau d'approbation. Mettre sur tout à chacun qui auront, Seigneur, à les voir grandir les paroles qu'il faut pour les exhorter et que nos enfants puissent prendre ce chemin qui mène vers la vie éternelle. Bénis-nous, Père, comme toi seul tu sais le faire. Et donne-nous, Seigneur, à toujours rechercher ta face et à nous consacrer à toi à chaque instant. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, entends même les prières les plus secrètes et fortifie-nous dans cet amour qui nous unit, dans ces liens de spiritualité qui nous rapprochent plus près de toi et permets, ô Dieu, qu'aucun de tes enfants ne soit perdu quand tu reviendras, mais que nous soyons tous sauvés pour l'éternité. Exauce nos prières, Seigneur, et conduis-nous sur le chemin de l'éternité. Nous n'avons pas de mérite, mais nous t'en prions, Père, et nous t'en supplions même dans le doux nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Thank you.
vous invite à garder votre position, la position debout. Et nous allons entonner le dernier chant de notre culte, Sur le chemin, va sans peur. Sans peur, car Jésus est devant toi, il veut être ton sauveur. Oh, suis-le, oh, suis-le par la foi. Petite annonce, ce mercredi 3 avril, le pasteur ne tiendra pas la réunion d'études car nous avons une réunion administrative à 19h. Donc mercredi 3, réunion administrative à 19h. Donc nous vous attendons tous pour cette réunion administrative car l'Église doit être acteur également pour cette réunion. Nous n'oublions pas que le sabbat 6 avril, nous avons également une sainte cène. Donc préparons-nous également pour cette sainte cène. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Et maintenant, Seigneur, tourne ta face vers nous. Accorde-nous ta paix. Bénis ces enfants et maintiens-nous toujours sur le chemin de l'éternité. Amen. Que l'Éternel te regarde.
sabbat à tous. Bon midi, bonne entrée. Thank you.